At the start of this special broadcast, that we will be moving from Studio 4 at the CRTV Production Centre here in Balatu to two other very strategic locations that have been crucial in the socio-political and economic life of Cameroon this ebbing year: the Public Health Emergency Operations Centre and the Omnisport Ahmadu Ahidjo Stadium, resplendent in the lights of preparations towards the upcoming continental football competitions. We hook up first with our power couple at the Ahmadu Ahidjo Stadium. Good evening, Evelyn Owona Esomba and Benin Buma Ghana. Good evening, lady. Good evening, gentlemen. What is the atmosphere like at the very mythical Ahmadu Ahidjo Stadium just a few minutes after the head of state's address to his people? Merci. Thank you to join us here. Bienvenue dans cette cuvette de Fandena, une cuvette mythique, vous le savez. La CRTV a déployé toute une armada ici également, dans ce lieu symbolique, ce lieu qui est pour tous les Camerounais le lieu symbolique des victoires de tout un peuple. C'est le lieu de la splendeur du Cameroun qui gagne. C'est le lieu de la vitalité qui exalte une jeunesse qui sait se surpasser et transporter d'émotions tout un peuple de gagneurs, un peuple de battants qui, chaque fois qu'il est face à l'adversité, eh bien, sait être, se laisser habiter par cet esprit de gagne, ce fameux Hemlé, qui est la particularité du Cameroun, qui est au-delà de la résilience. Eh bien, ce que le président de la République désigne lui-même ce soir par cette jolie expression, la capacité de rebond. Bienvenue donc à ce stade Ahmadu Ahidjo, qui va accueillir dans une actualité à venir une grande fête de la fraternité continentale. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Benin Buma Ghana. Good evening, Benin. Bonsoir, Evelyn. Drusilla, Vincent de Paul, welcome to the Yaoundé Omnisport Stadium, which, as Evelyn said, also epitomizes our spirit of oneness and unity. When fans pour out here to support the national teams, be it the Indomitable Lions or the Indomitable Lionesses, they do not come as belonging to a tribe. They come irrespective of their tribe, and together they shout for victory. And that is the kind of spirit that has gathered us here today. And when you come back to us, we will be meeting our two very important persons as far as sports is concerned in this country. The very first is the Minister of Sports and Physical Education, who is right here with us, and we're quite happy to meet you. Mr. Minister, good evening and welcome. Good evening, thank you. Of course, you're going to hear more from the minister in the Minister Mwele Kombi in the next few minutes. But also, we have the man who led Cameroon as Indomitable Lionesses to great victories, and in 2016 changed the face of ladies' football in Africa. He's now the Director General of the National Football Academy, ANAFOOT. We're talking about Karl Enongacho. Mr. Director General, you're welcome. Thank you very much. And I'm very convinced, Drusilla, that when you call us back, we have questions for the minister and we have questions for the director general. We will ask them and we'll be getting deeper into the message of the president of the republic, Evelyn. Nous vous rendons l'antenne et nous vous retrouvons avec plaisir tout à l'heure. Merci Evelyn Owona Esomba, merci à Benin Buma Ghana. On va vous retrouver tout à l'heure avec un égal plaisir. Le temps de prendre le pouls au centre des opérations d'urgence de santé publique où nous avons en ligne Badwin Sama et Évariste Eyenga, le centre des opérations des urgences de santé publique, où le cœur de l'actualité nationale a beaucoup battu au cours de cette année 2020. Badwin, Évariste, comment le message du président de la République a-t-il été suivi et accueilli là-bas? Bonsoir. Comment le message du président de la République a-t-il été suivi et accueilli?
Bonsoir Vincent De Paul, c'est avec une attention soutenue que l'adresse du chef de l'État a été suivie ici. Ici, au centre d'appel du Centre des opérations des urgences de santé publique, ce point qui a été incontournable dans la riposte contre le coronavirus Covid-19. Ici, les conseillers qui travaillent toujours, bien que ce soit jour de la Saint-Sylvestre, 24 heures sur 24, eux qui ont reçu jusqu'ici plus de 2,5 millions d'appels entre le mois de mars et celui de décembre qui est en train de s'achever, avec une moyenne de 12 000 appels entre le mois de mars et celui de juin, la période critique de cette crise. Ils sont également avec nous ici les hauts responsables du Centre des opérations des urgences de santé publique. Ils sont venus encourager les téléconseillers et aussi ils sont venus suivre tout à l'heure la réaction du ministre de la Santé public, le docteur Manaouda Malachi, au discours du président de la République. Ici, au sein des opérations, c'était avec une ascension particulière qu'on a entendu le président de la République encourager, exhorter les citoyens à nouveau à continuer d'observer les mesures barrières. Je ne suis pas seul. Ici, il y a Baldwin Sama. Good evening, Baldwin. Good evening to you, Evariste Yingan. Good evening to Vincent Paul and Drusilla Mokoso. Among those who are listening to the head of state address the nation this evening from the Public Health Emergency Operations Center, we have the Minister of Public Health, Dr. Malachi Manaouda, who was so involved, so active throughout the year 2020 in as much as the government's response strategy to limit the spread of this deadly virus nationwide is concerned. He was here throughout the head of state address, and he will be here throughout our stay here this evening to answer many questions as to what are some of the strategies to avoid any second wave of this pandemic. Equally with us this evening, we have Dr. Peyu Ndzi Samba. She is a biochemist. She will equally be answering our questions here this evening. When next, you call us Vincent De Paul and Drusilla Mokoso. Back to you. Merci Baldwin Sama, merci Évariste Eyinga. On vous retrouve dans les prochaines minutes. Le temps d'accueillir nos invités sur ce plateau. Professeur Désiré Avom, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université de Yaoundé 2. Bienvenue sur ce plateau. Lucilla, c'est... Yes, we also have with us on the set Chief Atem Ebako. He is the Vice President of the Regional Assembly of the Southwest Region. Welcome to be with us this evening. I would like you to add also as the President of the House of Chiefs. Thank you so much. Alors, professeur Désiré Avom, de 4% à 8% de taux de croissance, selon les prévisions du président de la République, quels sont les leviers sur lesquels il faudra appuyer, il faudra actionner pour réaliser ces objectifs? Je voudrais d'abord expliquer le taux de croissance de 8%, en fait. C'est en réalité le taux de croissance optimal. C'est le taux de croissance qui serait atteint si nous avons utilisé toutes nos capacités productives et dont le président de la République se projette à ce taux. Donc évidemment, il devrait pouvoir avoir des leviers sur lesquels on devrait agir pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ces leviers peuvent être distingués à court terme, hein, et puis moyen et à long terme. À court terme, il n'y a pas de sorcellerie, hein. Il faut stabiliser l'économie, il faut essayer, n'est-ce pas, de maîtriser l'inflation. Et le chef de l'État a dit que l'inflation repart, mais reste sans doute en deçà, n'est-ce pas, les normes communautaires. Donc il y a des actions qu'il faut mener à court terme, c'est-à-dire la stabilisation de notre économie. Et ensuite, il y a des actions, n'est-ce pas, de long terme qui concernent en fait l'investissement. L'investissement à travers les différents projets qui sont engagés pour respecter les engagements internationaux en rapport avec l'organisation des grandes compétitions internationales. Donc, les actions sont menées à cet effet. Il faut seulement les accélérer. On a souvent entendu parler de résilience pour ce qui est de l'économie camerounaise. Aujourd'hui, le président de la République dit que l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. C'est un nouveau vocabulaire qui entre en scène. C'est donc une économie solide malgré le contexte. Qu'est-ce qui fonde cette solidité et quels sont ces petits gestes, ces petits actes que les acteurs économiques et plus généralement la société doit continuer à poser au quotidien pour que notre économie reste debout?
Notre économie est résiliente. Et je pense qu'il y a des institutions internationales qui l'ont reconnue. Sans que ce soit le ministère de l'économie qui le dise. Si c'est le ministre de l'économie ou le ministre des finances qui le dit ou le premier ministre, on va toujours critiquer. Ce sont des institutions internationales qui ont observé à travers un certain nombre de méthodes de calcul, de choc, ont constaté effectivement que l'économie camerounaise était résiliente. Et sa résilience repose essentiellement sur cette diversification qui n'est pas encore au niveau souhaité. Mais on peut quand même observer que l'économie camerounaise est suffisamment diversifiée. Vous constatez la capacité d'adaptation des Camerounais face à la Covid. Souvenez-vous, lorsque cette pandémie commence, certains pays amis étaient en difficulté pour le matériel qu'on peut considérer comme banal, c'est-à-dire les masques. Mais les Camerounais ont su, à travers une capacité, une ingéniosité extraordinaire, su s'adapter pour pouvoir répondre aux difficultés. Donc l'économie camerounaise est résiliente en ce sens qu'elle est suffisamment diversifiée. Elle est surtout résiliente, de mon point de vue, par la conscience du gouvernement. Souvenez-vous, nos relations avec le Fonds monétaire international étaient extrêmement tendues. Parce que on n'arrivait pas à nous adapter aux différents chocs. Aujourd'hui, j'observe des relations apaisées avec le Fonds monétaire international. Lorsque les responsables du Fonds viennent ici, ils constatent les efforts qui sont faits par le gouvernement pour adapter l'économie à l'évolution de la conjoncture. Et le chef de l'État l'a dit dans son discours, il a reconnu que face au choc, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer d'ajuster notre économie à ce nouveau contexte. Merci, professeur. Restez avec nous. Chief Atemeh Bako, Vice President of the Regional Assembly at Southwest Region and President of the House of Chiefs. Welcome again, Your Highness. Thank you so much. What is your very first reaction to the words of the President of the Republic to the Cameroonian people? He talks specifically about the ongoing separatist movement in the Southwest and Northwest regions. Drusilla, I'll tell you one thing about public speaking and public speakers. What I heard this evening from the head of state can only, in a word, confirm my admiration for the head of state being a truly public speaker. Well, how does he start the message? He starts first by shocking the audience so that he captures their attention. And with that, he now starts giving in the message or the various lessons and issues that he wants to. So that message in itself, apart from being a word from a head of state, it is one that addresses, you know, issues of grave importance in Cameroon. But I want to go back to the issue that's a great speaker, because it's meant for all Cameroonians. It's not all Cameroonians who are like the professor sitting there, like great journalists that you are there, who can capture, you know, lessons from a speech. To the extent that I would say I admire that. I have learned a lot from this evening on how to speak to the public and not to, like, give a lecture or read an expert paper, but here he's speaking to his populations, from those who can read and write, those who cannot, but who have the ears to hear and who have had the experience of being Cameroonians. This is one great point of admiration I have for that. What does it finally say? After having brought the attention of every Cameroonian, who has not heard about COVID-19 in Cameroon? Virtually every person. He starts with that. Then he now goes on to mention the major axis of Cameroonian, I would say, everyday life: security, democratic process, all right? And then, of course, the socioeconomic issues. This I like so much, and this is what I would take back home when I meet any friend who may not have heard the speech. These are the issues that I would bring. Then after that, as not only as a great public speaker, not only as a great leader, but one who is an expert in management of people. He outlines the great
axis, what we would call in development parlance, the strategic axis, how he wants to carry, where he wants to carry Cameroon to. But before that, what does he do? He does a situational analysis of what the situation is in Cameroon, using examples of everyday example that every Cameroonian is aware of. He talks about security, talks about the democratic process, he talks about the socioeconomic situation in Cameroon, and gives very illustrative examples that no one in Cameroon, who has lived in Cameroon for the last 2-3 years, would ignore. I like this a lot about that speech. And then finally, after that situational analysis, he comes out with what I would call proposals or plan of action where he is going to lead Cameroon to. He talks elaborately about the national strategy plan, which is a new document. Many Cameroonians are not yet aware of that, and which certainly would be the basis, because you talked of me being the vice president of the Southwest Regional Assembly, and but more particularly, the president of the House of Chiefs. These are the documents, or that would form part of the documentation of what Cameroon is in terms of development. I have often said it, that in the Southwest, many Southwesterners are not aware of how this country is run. Now, the head of state has mentioned about that plan, which comes from the Vision 2035. The second part of it, the first part which lasted 10 years, and this one now which is coming to take over. This is where we in the House of Chiefs, in making sure that we develop the potentials that are in the devolved powers, the transferred competences, we are going to align our actions on these papers, to be in line with what is happening in the whole nation. So we will not in any way undertake, I would say, actions which will further marginalize the Southwest. I would personally look to see into it that I integrate the Southwest region into the national life, so that this issue of marginalization, occupation, or abandonment would be a thing of the past. Actually, it's even going to be a thing of the past very soon. Not only because, like you heard the professor mention, we have rich and enormous diverse potentials. Your Royal Highness, when I hear you talk, I see a lot of pride, I see a lot of accomplishment that sits with you as the pioneer president of the House of Chiefs of the Southwest region. Is it also a call for greater responsibility to the people who have put their trust in you in the House of Chiefs? I take that as a very big challenge, and I give praise and gratitude to God every day who brought me to they accepting me as such. But more importantly, I always make a very humble call to God, please, God, help me through, because my own personal capacities are not commensurate to providing the resources that this huge, huge enterprise of carrying the Southwest region within this first 5 years of the regional devolved competences. I just wanted to add this. How decisive, Your Highness, will be the House of Chiefs in the resolution of the present sociopolitical crisis in this troubled region? So we know we are going through this. I didn't want you to ask me that question. Now I'm asking. But now that you have asked it, this is what I will tell you. We just have to be frank to everyone. And we have to adopt the policy of inclusiveness. And we have to use the language of a frank language. These children who are in the bushes, there is absolutely no village, no chief who doesn't know where they are in the bushes. They know their camps. They know who are operating this this mess. They know this very well. So I have often said, and I'm repeating on this platform, that before the regional devolved competences were made, and particularly before the special status was granted the Southwest, they didn't have an option
other than taking up arms because they thought that was the only way they could make themselves heard. But today, the special status is there with great potentials, great options. So my job, my communication strategy would be to put the two to them, see where the advantages lie, see where we can go to the future. This is one thing I want to do, and I would like to use the CRTV resources to be able to. I hope you people will make sure that we have enough zones in the southwest which can capture the CRTV so that this message can get even to the bush. So that's one thing that we'll do. Like I said, the leadership of the Southwest Regional Assembly, I have often said it, and I'm championing it, and I think I've convinced the other seven members that we shall have what we call shared value leadership. And like you know, the special status gives us, our own is collegial. It's not like in the other eight regions where you have only the president of the regional council who is the executive, not so. But in the Southwest and the Northwest, all the eight members participate in decision making. So it's collegial, not one person. So in this case, therefore, we have to not invent, but we really have to make sure that we are using values which we should share, and then develop our leadership. Atemé Bako, une question, si vous permettez. Vous êtes le président de la House of Chiefs et le vice-président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest. Est-ce que vous avez déjà arrêté un plan stratégique? Quels sont les premiers actes que vous allez poser pour que la situation s'apaise davantage? Même comme je n'ai pas encore reçu vos félicitations de manière formelle. Alors vous les recevez ici en direct beaucoup, ce soir. Merci beaucoup, puisque c'est franchement un événement inédit, d'abord dans ma vie personnelle, et puis le consensus qui s'était vraiment développé autour de ma personne et mon nom était formidable. Ce qui alors crée un très grand défi pour ma performance. Et pour ça, voilà pourquoi je disais tout tantôt que Dieu me donne la force, mais surtout, n'est-ce pas, qu'il me laisse lui adorer, l'adorer et lui donner de la gratitude pour avoir fait ça. Bon, comme vous posez la question à savoir la position de chef traditionnel du Sud-Ouest, donc j'ai cet honneur d'être le premier président, n'est-ce pas? Ça, je peux vous dire. Les 19 autres chefs sont convaincus que des enjeux sont énormes. Être des pionniers n'est pas des choses faciles, mais qu'on va se donner, n'est-ce pas, cette humilité-là pour pouvoir affronter de tels défis. Voilà pourquoi on attend, n'est-ce pas, la prestation de serment qui dans bientôt aura lieu. Ce n'est que des fêtes maintenant qui retardent. J'ai dit ça sous le contrôle du ministre de la décentralisation et du développement local. Mais une fois que nous avons prêté serment, nous allons commencer. Mais entre-temps, de manière pas officielle, mais on a pour parler des conversations entre nous, ce qu'il faut faire. Si je peux vous dire, on a déjà des plans, je dirais des plans stratégiques d'ici 3 ans avec des grands axes. Alors, je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement qui, franchement, nous pousse en créant, n'est-ce pas, des outils, des institutions pour accompagner, n'est-ce pas, cette mouvance. Le dernier en date était, bien sûr, les conditions du travail de Public Independent Conciliator. Bon, ce qui est très bien. On a aussi créé des trésoreries, des centres de trésorerie régionales. Bon, là, on est sûr, on va mettre l'argent dedans, et puis nous allons utiliser pour faire ça. Donc, nous, on est prêts. Et on est bien soutenu psychologiquement par ce que l'État est en train de faire.
Merci, Majesté, d'être venu. Professeur Désiré Avom, une dernière question avant de vous laisser partir. Le président de la République a évoqué ce soir la stratégie nationale de développement. Qu'est-ce que ce document apporte de nouveau? Et avec le contexte que nous avons, cette situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la situation à la frontière avec la Centrafrique, la situation dans l'extrême Nord, est-ce que ce document, la stratégie nationale de développement, nous permettra de passer à la vitesse supérieure telle que le souhaite le président de la République? Tout à fait. Permettez-moi au moins de revenir sur un propos du président. Justement, il a demandé de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre le chômage, la pauvreté. Et le secteur informel. J'ai peur que ce soit mal interprété. Il ne s'agit pas de lutter contre le secteur informel. Il s'agit sans doute de mettre en place des mécanismes, des politiques incitatives qui permettent, n'est-ce pas, à ces activités de sortir de l'informalité pour devenir des activités productives et connues de tous, pouvant contribuer, n'est-ce pas, non seulement à la production, mais à payer aussi les impôts. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le document national développement, c'est une évolution importante parce que c'est un document prospectif qui apparaît comme une réponse, en fait, aux limites que nous avons constatées lors de la mise en place du premier document qui avait été élaboré. Donc, l'avantage de ce document, de mon point de vue, c'est qu'il a été plus ou moins consensuel. Il ne fait pas l'unanimité, et loin de là. Il a été plus ou moins consensuel puisqu'il a regroupé dans son élaboration les différents composants, n'est-ce pas, de la société, les universitaires, le secteur privé, etc. Donc, on peut croire que, partant de ce minimum de consensus, que si toutes les hypothèses sont réunies, sont respectées, qu'on puisse suivre effectivement le calendrier qui prévoit que d'ici 2035, un certain nombre de projets soient réalisés. Je pense que ce projet repose en fait sur l'idée de la transformation productive, transformation structurelle de notre économie. Vous savez que le point mort, en fait, de notre économie est le faible niveau d'industrialisation. Donc, il s'agit, en fait, de booster ce secteur industriel, parce que tout le monde le sait, s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de développement. Donc, ce document met l'accent sur l'industrialisation et surtout identifie les secteurs sur lesquels on devrait pouvoir s'appuyer. Et ces secteurs se retrouvent dans l'agriculture, dans les services, en tenant compte du numérique, en tenant compte des contraintes environnementales. Vous savez que l'industrialisation dans le contexte que le nôtre est difficile parce qu'on a des contraintes internationales qu'il faut absolument respecter. Lorsque certains pays au monde se sont développés, il n'y avait pas de contraintes environnementales. Aujourd'hui, dès que vous posez un acte, vous avez un projet, vous avez des contraintes qu'il faut absolument respecter. C'est ce qui contraint en réalité et ralentit en fait le développement industriel. Donc je pense que sur la base du document qui a été approuvé par les partenaires, nous avons là un document qui nous permet, n'est-ce pas, d'avancer sûrement en fait vers l'émergence de 2035. Merci, professeur Désiré Avom. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé 2. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Chief Atemé Bako, thank you very much. Et félicitations encore. Merci d'avoir effectué. Vincent Depaul Atangana, we go over straight to the Maduahiju Stadium where Evelyn Onai Sumba and Benin Bumagana should be meeting us again this evening with their special guests. Good evening again, lady and gentlemen. Merci de nous rejoindre. Merci de revenir ici au stade Amadou Ahidjo, stade Omnisport, où nos invités ont écouté avec beaucoup d'attention l'adresse du président de la République à la nation, professeur Narcisse Mwele-Kambi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. D'abord, première réaction à ce message du président de la République. Vous disiez que c'était un message d'une très grande densité. Absolument. Un message qui m'inspire un mot, la fascination. Oui. La fascination au regard de l'incandescence de ce discours, au regard de l'effervescence de ce discours. Incandescence d'un discours qui traite à chaud des sujets brûlants de l'actualité,
avec une très grande pertinence et qui révèle la parfaite conscience que le président de la République a des préoccupations majeures de ses compatriotes et des enjeux capitaux, des enjeux cardinaux de l'heure dans un contexte international difficile. Fascination par rapport à la capacité de ce discours présidentiel à définir, puisque la Constitution indique clairement que c'est le président de la République, chef de l'État, qui définit la politique de la nation, que le gouvernement met en œuvre. Donc, capacité de ce discours à orienter vers la construction de la résilience, le terme a été souvent utilisé. Il a parlé ce soir de la capacité de rebond également, mais la construction de la résilience dans différents secteurs. La lutte contre le Covid, où nous avons enregistré tous les secteurs de la vie nationale. De la vie nationale et tragédie, drame sanitaire, auquel le président de la République, par son génie politique, a su apporter des réponses adéquates qui, nous croyons savoir, ont mérité des satisfecits de la part de structures internationales compétentes, pas seulement par rapport au Covid, mais également définition des conditions, nous l'avons dit tout à l'heure, de la résilience économique, comme venait de le dire tout à l'heure mon collègue dans le magistère, le professeur Désiré Avom, que je salue avec beaucoup de fraternité et de cordialité. Capacité également à mettre en évidence la résilience du Cameroun face à un certain nombre de problèmes auxquels les Camerounais sont confrontés et qu'ils réussissent à surmonter. La question de l'emploi des jeunes, de nombreux emplois, ce serait difficile de les quantifier. Des emplois en grand nombre ont été créés. La lutte contre la pauvreté, une préoccupation majeure du peuple camerounais, mais également fascination par rapport à la capacité de ce discours à fixer le cap en rapport avec la construction de la performance du Cameroun dans différents domaines. Construction de la performance du Cameroun dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité à l'intérieur des frontières nationales, performance dans le domaine de la consolidation, du processus démocratique. On l'a vu encore le 6 décembre dernier, le respect du calendrier politique, toutes les consultations électorales et tout récemment encore le 6 décembre avec les élections régionales qui se sont déroulées dans le calme, dans le respect des conditions qui définissent une élection libre, une élection régulière, mais également dans le domaine de l'économie sur lequel je ne reviendrai pas. Et moi, je voudrais vous amener, Monsieur le ministre, sur le domaine du sport, puisque le président de la République a évoqué tout l'engagement du gouvernement à accompagner les infrastructures, à poursuivre la construction des infrastructures. Nous sommes ici au stade Amadou Ahidjo, dans toute sa splendeur. Oui. Le CHAN et la CAN, évidemment, ont une résonance particulière pour le ministre des Sports que vous êtes. Absolument, et merci d'évoquer cette question en ce lieu symbolique, en ce lieu mythique. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux de dire que les très hautes prescriptions présidentielles relatives à la poursuite, à la finalisation des chantiers destinés, dédiés au CHAN et à la CAN sont suivies des faits. C'est parce que ces très hautes prescriptions sont suivies des faits que nous aurons le bonheur, le peuple camerounais, le public sportif camerounais, aura le bonheur de vivre du 16 janvier au 7 février prochain le CHAN, qui, je le rappelle, est une compétition internationale majeure, la plus grande compétition internationale, sportive internationale, depuis l'apparition de la crise du Covid-19. Et cela
jusqu'à la mi-2021, où l'on verra donc apparaître, par exemple, l'euro ou les Jeux olympiques de Tokyo. Mais depuis le Covid-19 jusqu'à cette date-là, jusqu'à mi-2021, le CHAN sera la plus grande compétition sportive internationale. Et nous avons de quoi en être fiers. Nous avons de quoi en être d'autant plus fiers que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a, sous sa très haute impulsion, mis en place des infrastructures sportives futuristes, modernes, d'un grand standing international, à l'instar du complexe sportif de Japoma, à l'instar du complexe sportif d'Olembe en cours d'achèvement, dont deux terrains annexes serviront de terrain d'entraînement dans le cadre de la compétition CHAN, qui se jouera, est-il besoin de le rappeler, bien sûr, la poule de Yaoundé, qui sera localisée dans ce stade, dans les poules de Douala-Japoma, Douala-Bépanda et Limbé-Bouya. Et je tiens à saluer ici la qualité de la relation, du partenariat de collaboration avec la CAF. Nous avons eu, il y a deux jours, une visioconférence au cours de laquelle nous avons arrêté un certain nombre de modalités pour la bonne organisation de cette compétition. Et puisque nous parlons de Covid-19 et que le président de la République est revenu sur la nécessité de respecter les mesures barrières, nous insistons sur le fait que c'est une préoccupation dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Alors ici, et le Premier ministre chef du gouvernement, au cours de sa récente visite des infrastructures sportives dédiées au CHAN, à Yaoundé, Douala et Limbé, avait invité le public camerounais à venir porter le rêve et à apporter le soutien aux Lions Indomptables à Prime. Dans quelles conditions? Dans des conditions qui ont été définies par la CAF, c'est-à-dire pour les matchs de poule, respect des mesures barrières, respect des mesures de distanciation. Et à cet effet, 25% de spectateurs pour une arène comme celle-ci, dont les gradins comptent à peu près 40 000 spectateurs, nous serons à environ 10 000 spectateurs pour les matchs de groupe. Et pour les demi-finales et finales, nous passerons à 50% de spectateurs, mais à condition, ici, nous serons à 25%, c'est-à-dire autour de 10 000 spectateurs, pour les matchs de groupe, c'est-à-dire les matchs de poule. Et ensuite, je le reprécise, 50%, à condition que les spectateurs respectent, bien sûr, sous l'encadrement du COCAN, les mesures barrières. Et des dispositions sont prises déjà ici, par exemple, pour bloquer des places qui seront non assises, afin que les mesures barrières soient respectées, afin que le port de masque soit considéré comme un impératif sur lequel nous serons, nous disons, nous, les officiers de sécurité. Les officiers de sécurité seront intransigeants. Merci, professeur Mwele Kombi Benen. Of course, I was going to turn immediately to Carl Enongacho. This very stadium in 2016, you were here, you saw the population. It may not be the same population that you would see, but when the president mentions the African Nations Championship and the African Cup of Nations that will take place in Cameroon, how do you receive it as one who has been a coach of a national football team and as one who is out there training youngsters to play football? You must appreciate what the head of state said today. I want to say that we've got modern sporting infrastructures. So we can only say thank you because it will help build the youth. It will help develop Cameroonians, especially those who play football. So this is the only opportunity where we can showcase what we're able to do. So I personally think our team, if they manage stress, they can carry the day at the end. But now let us talk about this team. This is our team. The minister talked about the Indomitable Lions, the intermediate version. We looked at their preparation lately. A lot of people seem not to be very convinced that they will go far. But as a coach, and Ntungumpile is your very good friend, as a coach, what have you guys been talking about? You know, what should Cameroonians see as far as this team is concerned? I've been following up the team
And at the head of that team is an experienced coach. You know, today many people expect the team to win friendly games. It is true that friendly games are good for the preparation, but know that at the end, we need to win the Shan. And so playing friendly games will help us to know our weaknesses. It's from there that we can try by all possible means to solve all those problems before the beginning of the Shan. So I think the team is good. We've got a lot of experienced players, and the management today is even better. We've noticed that even the spirit of the players has changed a lot. Reason why we can only have hope for the upcoming Shan. There are some reports, there are some media reports that hold. The minister said it a few minutes ago that we are very good as far as infrastructure is concerned. If you just want to look at infrastructure, we've won the African Nations Championship already, but we're still problematic at the level of the team. With just about 17 days to go, are we really going to lift the challenge at the level of the team? No, I'm quite sure that we are going to perform very well. You know, during this particular period, there's a lot of stress. A lot of stress can lead you to maybe lose games, especially during the preparative phase. There will be a mini-Shan that will be coming in some few days, and that will be the exact moment where the coach will have an idea about those who will be able to start the game. But however, I say I'm quite optimistic. Friendly games cannot really describe how the team will play. Most players there, at that particular moment, they have a lot of stress. They want to show to the coach that they merit to be called into the team. Reason why there will be many errors. There will be errors, and the coaches are there. They know what they are looking for. And I'm sure that before the beginning of the Shan, everything will be okay. Benin Boumagana, avant de rendre le micro à Vincent de Paul Atangana et Drusilla Mukosonjoki, permettez-moi d'interpeller l'agrégé de droit public et de sciences politiques, le professeur Mwele Kombi, encore sur quelques-uns des aspects de ce discours riche et intense du président de la République. Vous évoquiez en off tout à l'heure à la fois le mendiant de la paix et celui qui félicite ses enfants, reconnaît la maturité acquise par le peuple camerounais, maturité politique s'entend. Absolument. Vous savez, nous avons tous suivi un discours qui est chargé d'espoir et qui est porteur de beaucoup d'espérance. Pourquoi ? Parce que le président de la République fait appel à l'intelligence de ses compatriotes. Il fait appel à l'intelligence et la conscience et à la conscience de ses compatriotes par rapport à un certain nombre de fondamentaux. Ces fondamentaux démocratiques qui sont le respect de l'expression des citoyens, le respect en démocratie du résultat des urnes, il l'a dit, le respect du suffrage universel comme fondateur du pacte démocratique, mais également le respect de l'agenda politique, et le président de la République respecte l'agenda politique électoral. Ce en vertu de quoi les différentes institutions républicaines sont mises en place, et ces institutions républicaines doivent être respectées par l'ensemble des acteurs qui doivent eux-mêmes se soumettre au jeu politique dans un état de droit. Nous disons que dans ce contexte-là, le président de la République se positionne de manière tout à fait légitime comme le garant de l'indépendance politique du Cameroun. D'où cette interpellation à ce que certains pays puissent... on a évoqué tout à l'heure ce qui héberge, voilà, donner des preuves de leur amitié pour ne pas en dire plus par rapport à certains fauteurs de troubles hors nos frontières, mais également le respect. Oui. Yes. We're going back to Balatum, Mr. Minister. Oui, mais nous avons ce sujet fondamental du respect de la légitimité de la nation camerounaise, c'est-à-dire de l'indivisibilité, de l'unité de la République, du respect de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple camerounais dont le chef de l'État est le garant du destin, de la sécurité et
de la sûreté. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Mwele Kambi. Merci beaucoup, Carlino Ngatu, directeur général de l'ANAFOOT. Benen Boumagana, juste indiquer à nos téléspectateurs que juste après ce plateau spécial d'analyse du discours du président de la République, cette enceinte, ce stade Amadou Ahidjo sera enflammé, pour ainsi dire, par un concert géant offert par la CIR TV, une grande émission de spectacle, grande émission pour marquer la traversée de 2020 à 2021. Merci, Benen. On rend l'antenne. Thank you very much, Drusilla Mokoso. Thank you very much, Vincent de Paul. Over to you. Merci, Benen. Le directeur général de l'ANAFOOT. On met le cap à présent sur le CUPS, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, où nous attendent Baldwin Sama et Évariste Eyenga, qui ont pratiquement passé l'année là-bas dans ce centre. Évariste, Baldwin, vous avez certainement autour de vous au moins quelques invités. À vous l'antenne. Welcome back to the Public Health Emergency Operations Center, Vincent de Paul and Drusilla, where I should say it was the uninvited guest for the year 2020. It came knocking at almost every door with far-reaching consequences, with Cameroon not spared as far as its consequences are concerned, so with many persons tested positive, many others who recovered from the virus and others who equally died for the COVID-19. We are talking about this deadly virus, the coronavirus, and 10 months after the first case was confirmed in Cameroon. The government of Cameroon continues with a response strategy to limit the spread for this deadly virus nationwide. And tonight, the President of the Republic, in his key role as father of the nation, reminds us of the necessity to continue respecting the different outlined barrier measures to limit the spread of this virus. And I am with Evariste Yenga. Once more, good evening to you, Evariste. Bonsoir Baldwin, et nous recevons ici le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Avec nous également le docteur Marlise Mbezele, épouse Peyou Ndissamba. Elle est docteur en biochimie et biophysique, expert également en santé publique. Souvenez-vous, c'est l'auteur d'un complément alimentaire à base de plantes naturelles aux propriétés antivirales et antibiotiques. Bonsoir docteur. Bonsoir Monsieur Evariste, bonsoir à tout le personnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, vers vous tout d'abord, en ouverture du discours du président de la République, la lutte contre le Covid-19, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, ça indique certainement une priorité. Votre réaction, Monsieur le ministre. Dans un premier temps, je voudrais d'abord recevoir les vœux que le président de la République a formés pour les populations camerounaises, et donc j'en suis un. Le remercier très humblement et respectueusement souhaiter également une meilleure année à notre président de la République sous la grâce de notre Dieu. Maintenant, ce que je viens de voir, ce que je viens de suivre, j'allais dire, je suis un peu ému parce qu'en réalité, ce personnel, n'est-ce pas, de la santé, qui au jour le jour s'est battu contre vents et marées et pour sauver les vies humaines comme le président lui-même l'a indiqué et qui continue à suivre les vies humaines comme le président l'a indiqué, voit en ce discours quelque chose de particulier. C'est vrai que cela a déjà été le 19 mai dernier, mais le président commence ici, n'est-ce pas, son discours par la problématique de la pandémie du Covid-19, enchaîne par la sécurité. Ça voudrait dire en réalité qu'il veut mettre en exergue que les problèmes, les risques sanitaires sont tout aussi importants que les problèmes sécuritaires. Et donc, ce n'est pas anodin, comme vous le dites. Autre chose, le président ici fait connaître, n'est-ce pas, sa satisfaction quant à la riposte. Nous le savons très humble, parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui vient de diriger une riposte, qui vient même d'être saluée par les institutions internationales, on aurait pu, avec triomphalisme, dire un certain nombre de choses, mais le président est resté très modéré, et très humble,
il est resté pondéré et a demandé que nous soyons, nous continuons à être vigilants. Nous continuons à être sur le front, n'est-ce pas, de la pandémie, parce que la pandémie n'est pas finie. Je crois que c'est une leçon d'épidémiologiste de terrain. Donc le président ici a fait appel à ses compétences d'épidémiologiste pour prodiguer un certain nombre de conseils à ses compatriotes pour nous dire comment nous devons aborder cette période, parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a beaucoup d'échanges pendant toutes ces périodes de fin d'année. Et donc, le président, en pédagogue, est arrivé à nous dire voilà comment nous devons faire, voilà comment nous devons poursuivre notre vie, en sachant qu'il y a d'autres souches qui peuvent arriver. Et donc, ça, je pense que le Camerounais qui a suivi et qui devrait avoir suivi le discours est assez... assez servi en matière d'épidémiologie. Les Camerounais sont peu respectueux des mesures barrières. Le président de la République a dit en être au courant et il les exhorte à continuer de respecter ces mesures barrières. Alors, question à vous, que faut-il pour que ces Camerounais ne font plus la sourde oreille, pour qu'ils continuent de respecter ces mesures ? Alors, une chose que nous devons comprendre, c'est que le président de la République est... c'est lui qui dirige cette riposte depuis le premier jour. Et quand vous entendez, dit bien, j'ai personnellement observé. Vous savez, quelqu'un qui est au four et au moulin tous les jours et qui regarde, qui observe, qui donne des instructions, qui évalue. Donc, voilà un chef d'orchestre, j'allais dire un commandant, qui donne des instructions. Mais le président l'a dit parce que selon les études que nous faisons, en réalité, il y a eu ce relâchement. Mais nous devons remonter encore un peu en matière de sensibilisation, de communication communautaire. Vous savez, la particularité, n'est-ce pas, de la riposte camerounaise, l'une des particularités, j'allais dire, de la riposte camerounaise, a été la décentralisation. Décentralisation qui voudrait impliquer, n'est-ce pas, toutes les couches, toutes les personnes, ressources, tout ce que nous avons comme ressources au niveau du Cameroun pour pouvoir... porter un coup à ce virus. Et donc, je pense qu'il va falloir que nous renforcions cet axe de décentralisation, de communication, d'engagement communautaire pour que, ensemble, nous arrivons à faire respecter à nos populations ces mesures barrières et ce port de masque. Je voudrais finir par là, peut-être, parce que je vois là en filigrane une question d'obliger les gens à porter les masques ou de répression. Non, ce n'est pas là la solution. La solution ne va pas dans la répression des Camerounais, mais je pense que la sensibilisation, l'engagement communautaire pourrait résoudre le problème de port des masques. Mr. Minister, with more and more Cameroonians who've stopped respecting these barrier measures, we've noticed this increase in the number of persons who've been tested positive for the coronavirus lately. Is there any strategy being put in place by the Ministry of Public Health or that will be put in place to avoid a possibility of an outbreak of a second wave of this pandemic? Vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été toujours logique dans sa stratégie depuis la première phase. Nous avons notifié les premiers cas le 5 mars dernier. Et dès la notification des premiers cas, et même avant, il y a eu une stratégie qui a été mise en place. Cette stratégie va continuer, n'est-ce pas, à être implémentée. Mais pour le moment, et au niveau où nous en sommes rendus, nous avons mis un accent davantage plus particulier sur les portes d'entrée. Donc, quand vous allez... aujourd'hui aux aéroports du Cameroun, ou alors même les voies d'accès par voie terrestre, n'est-ce pas? Il y a un dispositif qui fait en sorte que nous filtrons tout ce qui rentre. Et le président de la République avait demandé qu'on teste systématiquement, sans exception, tout passager qui arrive ou tout voyageur qui vient au Cameroun. Je crois que ça nous a permis, jusque-là, de tenir, n'est-ce pas? De dépister et de faire respecter notre algorithme de prise en charge qui a été mis en place. Et donc, nous allons mettre un accent sur ce point-là. Nous allons continuer avec notre stratégie de 3T. Vous savez que nous avons introduit cette stratégie un peu plus tôt. Les autres sont d'ailleurs en train de copier aujourd'hui cette stratégie. Donc, nous allons continuer, poursuivre notre stratégie de 3T. Et je crois qu'avec cela, nous pouvons... limiter l'éventualité de l'importation d'une nouvelle souche.
Monsieur le ministre, nous reviendrons à vous avant de renvoyer l'antenne en baladeux. À présent, on s'intéresse au docteur Marlise Mbezele, épouse Peyou Disamba. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je l'indiquais, vous êtes l'auteur du complément alimentaire Ngulbetara. Le président de la République relevait ici les bons points du corps médical dans la riposte. La médecine traditionnelle a certainement joué sa partition. Qu'est-ce que Ngulbetara et les autres ont pu apporter? Ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous avez une épidémie, il y a plusieurs mesures. On a parlé des mesures barrières. Et il y a aussi des traitements. Donc des personnes qui tombent malades, il faut les traiter. Et vous savez quand nous sommes en Afrique, au Cameroun, plus de la moitié des personnes ne vont pas à l'hôpital. Vous voyez, il faut se faire tester. Mais il y a des personnes aussi qui ne se font pas tester. Et il y a des personnes aussi qui ne choisissent pas d'aller à l'hôpital comme première intention. Donc c'est pour cela que les solutions endogènes sont très importantes. Plutôt que de laisser des personnes devenir des bombes à virus, les acteurs de la médecine traditionnelle ont des solutions. Et l'avantage de ces solutions, c'est que pour cette fois, nous, de la médecine conventionnelle, les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, les naturopathes, se sont rapprochés des tradis praticiens pour essayer, autant que faire se peut, d'améliorer la conception, le conditionnement, l'hygiène de la médecine traditionnelle pour pouvoir offrir à la population des médicaments qui ont les mêmes propriétés, sinon de meilleures propriétés, que ce qu'on peut retrouver parfois dans les médicaments exogènes. Donc c'est ce que la médecine traditionnelle apporte, c'est sa part, sa contribution dans la lutte contre le COVID-19. Donc c'est un ensemble de mesures qui peut permettre au Cameroun, si respecté, de devenir très puissant dans le monde. Donc et également, j'aimerais rebondir sur le côté développement. Vous savez qu'on importe en milliards de médicaments exogènes au Cameroun. Et si la médecine traditionnelle améliorée est développée, c'est aussi une façon de favoriser l'entrée des devises au Cameroun, parce qu'on peut exporter et on peut réduire le déficit de la balance commerciale. Donc la médecine traditionnelle représente un volet sanitaire très important et aussi un volet économique non moins important. Alors il y a le conditionnement, la conservation au niveau de la médecine traditionnelle. Il y a matière à questionnement à chaque fois. Est-ce que cela a progressé? Tout à fait. Je pense qu'il y a matière à questionnement dans le monde entier. Ce que nous avons fait à notre niveau, c'est d'abord élaborer des ouvrages de santé publique et des ouvrages pratiques pour la conservation des alicaments, la conservation des médicaments traditionnels. Donc nous sommes rapprochés des tradis praticiens pour leur apprendre les méthodes d'hygiène, la démarche qualité. Parce que c'est souvent ce qui nous manque, parce qu'il y a des normes pour pouvoir s'imposer. Il faut apprendre ces normes à ces personnes qui ont une richesse que nous pouvons difficilement imaginer. Et justement, la normalisation et la certification vous posent problème encore? Ça pose problème surtout au niveau du financement. Vous comprenez? Pour aller, par exemple, à l'ANACOM, il faut faire des analyses. Vous voyez? Pour faire toute la batterie d'analyse, il faut à peu près 1 million de francs CFA. Vous comprenez? Et aussi, pour faire des études, nous sommes au niveau de la faculté de médecine. Vous voyez? Il faut des intrants pour pouvoir faire des essais biologiques préliminaires demandés, pour pouvoir faire des essais cliniques, et il y a plusieurs phases. Donc il y a un volet financier qui freine le développement de cette médecine et qui limite l'explosion en fait des atouts du Cameroun. Monsieur le ministre de la Santé est en face, il vous entend. Let's end with the Minister for Public Health this evening. With the lessons learned from the coronavirus in 2020, we have had so much talk about a possibility of a vaccine. We are moving into 2021. The Minister of Public Health will certainly have something to say. Oui, bien sûr, mais je voudrais quand même dire un petit mot, parce que en même temps que le président de la République a demandé que nous recherchions des solutions endogènes, en même temps, nous ne pouvons pas lier cela à ceux qui ne vont pas à l'hôpital, parce qu'ils viennent de le dire là tout de suite, que lorsque vous avez des signes, allez à l'hôpital. Donc je pense que c'est très clair, le message est très clair. Dans le cadre du Cameroun, nous sommes en train de travailler un projet d'un avant-projet de loi qui encadre, n'est-ce pas, la profession est en train d'être examinée par le gouvernement. Je pense que le processus est en route. Maintenant, pour revenir à notre sujet, au sujet du vaccin, vous savez,
la posture que le président de la République a toujours été la protection de ses compatriotes, la sécurité de ses compatriotes. Et ça, ce processus est en cours en ce moment. Parce que tout de suite, là, c'est, j'allais dire, l'affaire des pays riches. Parce qu'ils partent payer cash au niveau des firmes. Mais est-ce nous sommes... Est-ce que vous dites que le vaccin, pour le moment, est inaccessible pour le Cameroun? Non, ce n'est pas que le vaccin est inaccessible, sinon je n'allais pas dire que le président de la République est en train de prendre des mesures. Mm-hmm. Si je voudrais me trahir en secret, je vais vous dire qu'on est beaucoup plus avancé. Mm-hmm. Mais pour le moment, je le dis encore, nous sommes dans cette mouvance-là avec notre institution que vous connaissez très bien, Gavi, l'Alliance Gavi. Donc, nous sommes en train de travailler sur la question. Nous recevons les instructions sur une probable réflexion sur l'introduction d'un vaccin au Cameroun, mais nous sommes en train de le faire. Mais je voudrais vous surprendre, parce que en l'état actuel de la situation, si le Cameroun était séparé des autres pays, on allait dire qu'on n'a même pas besoin de vaccin. Vous savez très bien, parce que nous avons un très bon taux, n'est-ce pas, de guérison. Nous sommes à plus de 95%. Un taux de létalité qui est à 1,6%, donc qui est en deçà du taux de tous les taux que nous pouvons imaginer. Donc, nous aurons pu. Mais comme nous sommes dans une sphère, c'est-à-dire que dans un village planétaire qui est le monde, nous aurons besoin certainement de ce vaccin. Mais le président est en train de prendre toutes les dispositions pour que ce vaccin puisse être disponibilisé au Cameroun. Monsieur le ministre, on aura bientôt terminé, mais d'abord un dernier avis. Le président de la République qui dit qu'il est trop tôt pour tirer les leçons. Cela laisse comprendre que la riposte se poursuit. Quels sont les défis immédiats? En une minute. Alors, les défis immédiats, comme vous le savez, vous faites bien de poser la question, parce que nous sommes dans un contexte où vous avez les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes vagues. Ailleurs, nous avons une nouvelle souche qui est proche de nous ici au Nigeria. Alors, le défi immédiat, c'est d'adresser la question tout de suite. C'est-à-dire, pour nous, déjà, nous avons quand même une base en termes de laboratoire, en termes de stratégie, en termes de... Mais le défi immédiat, c'est de faire en sorte que nous rendons aux Camerounais cette sécurité dans le cadre de ces activités. Et ça, nous sommes en train de mettre tout ensemble pour que ces activités qui arrivent, le champ qui est là, la reprise dans l'ordre des enseignements, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, c'est lundi, les procédures ont été écrites, nous allons continuer à faire ce que nous savons très bien faire sous la supervision du premier chef du gouvernement et la direction de M. le Président de la République. Merci M. le ministre, on n'ira pas au-delà. On vous remercie encore pour votre disponibilité à répondre à nos questions ce soir. Docteur Marlies Mbezele également, merci d'être passé. La riposte, elle se poursuit et ici, au centre d'appel du centre des opérations des urgences de santé publique, le travail se poursuit avec les téléconseillers en activité. Une équipe a pris le relais à 20h ce soir, c'est pour achever demain matin, il sera 7h. C'est ainsi le relais au centre des appels, d'où nous vous remettons l'antenne en ce moment. À vous le plateau. Thank you, Evariste Eyenga. Thank you, Baldwin Sama, for having toured with us with your special guests there at the Emergency Center of the Public Health Unit Operations there in Yaoundé. We continue, as we promised, to give you the best of Cameroon this evening. The people of Cameroon have thus listened to their head of state speak to them on burning issues of national life, from COVID-19 to insecurity and the rebound of the economy, just to name but these. In the southwest region, it was with rapt attention that inhabitants listened to that speech. Many are hailing for its notes of hopefulness, especially in the heat of the sociopolitical crisis. One of those listeners was the station manager of CRTV Southwest, senior reporter and elite of the Southwest region, Kange Williams Wasaloko. Good evening and welcome to this special broadcast. The Southwest region, Kange Williams Wasaloko. Good evening and welcome to this special broadcast. Kange Williams Wasaloko. Good evening and welcome to this special broadcast. Yes, good evening, Drusilla. Good evening, Vincent de Paul Atangana. Welcome to the Southwest region, where the population of the Southwest region, the six divisions from Fako to Meme, Ndian, Kupe, Maninguba, Manyu, and Ibiarem,
all glued to their various platforms of the CRTV and other media outlets through which they watched or listened to the head of state's traditional end-of-year message. Positive reactions, you can imagine, have been flowing in from the various media outlets. The population of the Southwest saluted specifically the fact that the president mentioned the famous October 24 massacre in Kumba, which led to the death of 7 innocent children. And of course, it was a feeling that the president is in touch with what happens in various parts of the nation. And of course, they are also happy when the president mentioned the putting in place of the regional assembly. You know, it was a smooth transition in the Southwest region. And of course, it means that the special status and the fast tracking of the decentralization process is in process, and the president remains a man who lives on his promises. With us this evening is beautiful Madame Magdalene Agbo Takan. She is of the civil society and she is the CEO of Changing Mentalities and Empowering Groups called Shamek. Good evening, Madame Agbo. Good evening, and welcome brother. To this special shift of broadcast. You listen like all of us here in the Southwest region, to the president's end of year traditional message. What are the salient points that you are taking home to share with us? Before I go to the salient points, I want to really commend the head of state. I looked at his, you know, he was so calm and calculated. The decor behind him was so peaceful and very, very resilient. I felt so elated before he started. And when our head of state talked, I was so, so impressed that he could go through all the activities that took place in 2021 and started off by saying that 2020, and started off by saying that 2020 was a dark year. And in spite of that, it did not stop them. He talked about the coronavirus, you know, commended the doctors and the nurses again, went into insecurity. And of course, when you are talking about insecurity, it hits the Northwest and Southwest mostly. And of course, it leads us to our famous, you know, terrible, heinous killing of our children in Kumba. And I could see that it was still very fresh in him. He talked so much and again commended the military for doing all they can to maintain the nation's integrity, and then went further to saying, in spite of the challenges of the crisis and COVID-19, it really didn't stop him and his collaborators from, you know, taking, you know, the nation forward, the political issues, in spite of the fact that some political opponents tried using the difficult situation to cause more havoc in the nation. He is so happy that people did not go along with that. And then he went into talking about the plans they have, you know, the presidential plan of reconstruction and development for the Southwest and Northwest to transform our nation. He was so determined. He spoke so well. And the things we are going to experience, giving hope to all of us. In fact, the way I saw him, he looked stronger than he looked composed. Stronger and composed for somebody we had heard over the years that he was not feeling well, he was dead. The way he looked today, he looked really good. I was really proud of my head of state. And again, I cannot conclude without giving recognition to the First Lady Chantal Biya, because if she was not there to take care of our head of state, he wouldn't have been looking so gallant and so strong to talk to the nation. I am really impressed, and I'm hopeful that 2021 is going to be a greater year than we have today. Well, Drusilla, you know, women will never talk
without calling another woman. So thank you for coming. Thank you. Well, Drusilla, reports reaching us from the six divisions say there were no major incidents. The Southwest region is calm, and the Southwest region is responding positively to the positive issues raised in the presidential speech. And I can tell you, from all of us out here, the technical crew and everybody here, you can see even a decor, a Christmas tree behind, wishing you Happy New Year and a prosperous one. Over to you, Yaounde. Happy New Year. It is an absolute pleasure listening and watching you, Kanga Williams Wasaloko, and your delectable guest that you had there, and the beautiful words that she had for the head of state, and of course for the First Lady, Mrs. Shanta Biya. Over in the Northwest region, Cameroonians had very lofty expectations for the head of state's address, expectations that Winston Lebga, who is on the line to Bamenda, says are typical of a people seeking lasting peace. Hello, Winston Lebga. Very briefly, how did the Bamenda denizen receive President Paul Biya's speech today? On retrouvera certainement Winston Lebga dans le cours de cette soirée, le temps de nous rendre à Tibati, dans la région de la Damawa, où le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, a suivi ce soir le message du président de la République, le discours de fin d'année du chef de l'État, en compagnie, bien entendu, des troupes qui sont en poste avancé là-bas. Nous avons en ligne nos envoyés spéciaux, Albert Njembonde et Steve Tchega Eke Mbenge. Quels sont les échos, messieurs, que ce discours a eu auprès des troupes basées à Tibati ce soir? Bonsoir. Quels sont les échos, messieurs, que ce discours a eu auprès des troupes basées à Tibati ce soir? Bonsoir. Quels sont les échos, messieurs, que ce discours a eu auprès des troupes? And security forces have not failed to do their job, that of protecting people and their property and the territorial integrity of Cameroon. That is a key encouragement from President Paul Biya, which I think the entire military high command listened with rapt attention in a hall that also had some elite of the Jerem division in what looked like a strong symbiosis between the population and their army. Tout à fait, Albert Njembonde. L'essentiel en quelques mots-clés. La prudence est l'une des premières forces de défense dans la lutte contre le Covid. La persévérance pour les hommes au front, mais aussi qui sont des hommes barrières à ceux qui sont les ennemis de la paix. Et c'est un peu ce qui a motivé la joie des militaires que nous avons rencontrés ici, dont quelques sergents. Je remercie d'abord le chef de l'État pour avoir délégué le ministre chargé de la Défense à venir passer le réveillon à Tibati. C'est vraiment une grâce. Et ce que j'ai beaucoup plus retenu, c'est le port obligatoire du masque, comme l'a recommandé le président de la République, et les mesures prises pour aller à l'encontre de cette épidémie, pandémie. With the highway robberies too. We thank the head of state for recognizing our work well done here, and we assure him we are going to continue with our efforts and we are never going to rely on it. Écho donc d'un réveillon dans le département du Jerem ici à Tibati, réveillon aux allures de veillée d'armes. Je crois que la nuit est encore longue, Albert Njembonde. Exactly, especially as security and defense forces are happy that the head of state instructed the minister delegate at the presidency in charge of defense to come spend this Saint Sylvester night with them in what has become now a strong tradition. And I guess they feel really motivated to continue doing what the president said is their job, doing it in all honor and fidelity to the nation. Back to you guys. Kembenge, on va se rendre à présent dans le Mungo,
dans le Mungo, où le message du président de la République, le discours du président de la République a été suivi avec une attention soutenue donc par les responsables administratifs et politiques locaux, ainsi que les autorités municipales, que nous vous proposons d'écouter depuis la ville d'Nkonsamba. Le président de la République, une fois de plus, vient de montrer la place qu'il accorde à la paix pour notre pays. Il a invité les populations ou celles des populations qui continuent à s'illustrer dans des revendications non fondées à déposer les armes. Cela prouve qu'en bon père, il invite tous les Camerounais à œuvrer pour la construction du pays à travers la paix. Comme toujours, le président ne cesse de nous surprendre parce qu'il connaît mieux que nous tous ce que pense le Cameroun profond. Il nous connaît très bien sur les doigts et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons de ce discours. Un appel à la paix, bien entendu, mais aussi un discours qui nous invite à regarder droit dans les yeux ceux-là qui doutent encore des actions salvatrices du renouveau. Parce que ceux-là pensent qu'il faut nécessairement passer par le maquis, il faut nécessairement faire du tapage, il faut nécessairement mettre le Cameroun à genoux, tuer, assassiner, pour pouvoir aspirer, pour pouvoir atteindre leur dessein machiavélique qui consiste à arriver au pouvoir par tous les moyens. Or, le Cameroun est un havre de paix. Le Cameroun est un pays qui fonctionne. Le Cameroun a des institutions qui marchent. Et c'est pour cette raison que nous disons haut et fort que nous avons un président qui fonctionne normalement, un président qui pense à ses enfants, un président qui œuvre pour la démocratie. Si l'une des missions essentielles du chef de l'État est celle de la préservation de l'intégrité physique des Camerounais, je crois que le rappel, une fois de plus, du respect des mesures barrières aura été essentiel. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut bien se focaliser. Parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de la préservation de l'intégrité territoriale, il est aussi question de préserver l'intégrité physique, la santé des Camerounais. Et que le chef de l'État, jusqu'ici dans la gestion de cette pandémie, ait fait preuve avec tout son gouvernement de d'austérité, l'hécatombe tant annoncée n'a pas eu lieu. Il n'est pas question de baisser les bras, il faut persévérer, n'est-ce pas, dans le respect de ces mesures barrières. And as we were telling you a while ago, the people of the Northwest region had lofty expectations from the speech of the head of state. Winston Lebga is on the line from Bamenda. Hello, Winston Lebga. Very briefly, can you tell us how the citizens of Bamenda received the head of state's address this evening? Hello, Drusilla, can you get me? Getting you 5 on 5, Winston Lebga. Hello, Drusilla? Yes, Lebga, you are on and we are getting you. Yes, the people of the Northwest have been waiting for this speech for on tenterhooks and waiting for the key issues that are affecting this region to be addressed. With me here is one of the representatives of the people. I'm talking about Member of Parliament for Menchum North, Honorable Kung John G. Honorable, can the people look forward to 2021 with a lot of hope, great expectations? We are here to present Biya's 31st of December speech that we just followed. Thank you, Mr. Winston. I think that the expectations of the Northwesterners were adequately addressed. First, I start with COVID-19. The head of state reminded Cameroonians that the COVID-19 pandemic was not over and that there is need for us to continue to guard against this pandemic. Secondly, as far as the Northwest and Southwest regions are concerned, he has addressed the issues that concern the security in North. What exactly is, what do you think can change in this region in regard to that speech, especially in your constituency, sir? Well, the first thing is that in the Northwest and the Southwest regions, he has called on the citizens to know that
security measures have been taken to safeguard the territorial boundaries of the Northwest. And to a larger and a more important aspect, he has dwelt on the decentralization of the state of Cameroon. And I think that it is time for the Northwesterners to take advantage of this final touch on the decentralization process to promote and encourage every aspect of decentralization in the Northwest. Drusilla Mokoso Njoki, Vincent de Paul Atangana. On that, we close our contribution from Bamenda. Thank you. Thank you very much, Winston Lenga. We wish you a happy new year with you and your team out there in Bamenda. And thank you for the time that you took to get the reactions of the citizens of the Northwest region there in Bamenda. We continue with reactions, this time with Colonel Hamad Kalkabamabu, who is going to tell us how he felt and what he thought about when President Paul Biya was talking about the sports infrastructure in Cameroon today. And what he thought about. In his speech, about the president mentioned the fact that Cameroon is expecting to host a major event in 2021. And the president mentioned the fact that football Cameroon is. We must consider the view of our president concerning the coronavirus pandemic, which is a very big problem for not only for our country, but all over the world. And then the problem of security in our country. We need peace. This is something very important. We cannot organize an international event, a popular event, without having the peaceful environment. So this is something that I must consider. Voilà, on va mettre le cap sur un autre point de la ville de Yaoundé, notamment retrouver cette équipe, notre équipe qui est en ligne depuis le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Gladys Lebouda, Yves Fomousso. Bonsoir, quels sont les échos que nous avons du message du chef de l'État ce soir de ce côté de la ville de Yaoundé? Bonsoir, quels sont les échos? Good evening, Vincent de Paul. Good evening, Drusilla Mokoso Njoki. We are the courtiers of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. This is its new edifice. We are the courtyard where we have youth from different youth organizations. We have staff of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, and we equally have traditional rulers here, youth ambassadors as well. They all gathered here before the giant screen that was erected here to, of course, listen to the traditional head of state end of year message to the nation. And here the youth have been reacting to what the head of state said concerning them on the auspices of the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, who is here with a guest, of course, the Ministry of Voilà, liaison quelque peu difficile avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous allons retrouver Gladys Lebouda et Yves Fomousso dans de meilleures conditions. Est-ce qu'ils sont en ligne, Gladys Lebouda, Yves Fomousso? Hopefully, we shall be getting them maybe before we close this plateau, Vincent de Paul Atangana. Just for us to note, I think we should be getting Lebouda and les différents coins du territoire national, de l'hilarité également entre deux boutades oratoires du président de la République à l'endroit de ses adversaires politiques, mais aussi un vent d'optimisme, Vincent de Paul, un vent d'optimisme en évoquant les défis futurs de la nation. La
du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, des panels de discussion comme pour prolonger la solennité de ce soir, de ce discours du chef de l'État, panel de discussion qui réunit donc différentes couleurs de personnalités, des entrepreneurs, des hommes d'État, des chefs traditionnels, mais aussi des leaders d'associations jeunes venus ici pour s'abreuver de la sagesse présidentielle, mais aussi pour partager leur point de vue sur le discours du chef de l'État, sur leur année 2020 et sur leurs attentes, leurs perspectives pour l'année 2021. Vincent Depaul, nous vous proposons un mot du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, qui est donc justement en train de s'entretenir avec les jeunes, avec les entrepreneurs, sur ce discours du chef de l'État-là, partage, réflexion en ce moment même. Yves? Exactly, Gladys Labouda. We are here with the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mounouna Foutsou. And as Gladys said a while ago, a panel that was set up by the ministry, they have been making a reading, having the first reading of the head of state message to the nation. Good evening, Minister. Yeah, good evening. You're welcome on the CRTV. Thank you very much. I'd like to know from you mobilized youth from across the nation's political capital, Yaoundé, to listen to the head of state's message for the first time through a giant screen here that was erected at your ministry. I would like to know what first reading do you make of the head of state's address to the nation? Yes, first of all, I would like to say that I'm very satisfied for this initiative, which, as you said, mobilize some youth leaders, partners, and the stakeholders in the implementation of youth policy and civic education programs. So this is what we have called the Youth Connect Hangout, and it's not only those young people here, but it's all over the national territory since many are on our different platforms. So. As you have seen, it's very impressive to see how the different stakeholders here discuss on the speech of the head of state. And this is very important because all the domains, all the different subjects in the head of state's speeches, his speech was here addressed, and either in fight against COVID, either in the domain of peace and security, in the domain of democracy, and as you have seen, many young people are involved with their different associations in those domains, economic development, and this is what I can say is that the head of state's speech was an almost optimistic speech. That assured young people that the head of state is doing everything to make the growth of our country being resilient so that the problems of young people, particularly youth employment, education, health, and so on and so forth, should be solved. And I'm sure that all the young people who listen to that speech, we are very satisfied, and that's why they themselves expressed their satisfaction and gave their commitment to accompany the different building construction set of the government. Monsieur le ministre, vous avez fait le choix d'appeler ici, d'amener ici une bonne palette de jeunes. Ils sont près de 200 ce soir. Vous les sentez remobilisés, reboostés par le discours du président de la République? Oui, tout à fait. Vous-même, vous avez suivi l'engouement qu'il y avait ici sur le panel. Différents acteurs se sont succédés, des leaders jeunes, les partenaires qui accompagnent les différentes initiatives gouvernementales, à l'exemple de l'initiative Youth Connect que nous vivons aujourd'hui à travers le Youth Connect Hangout. Parce que ces rencontres participent de cette initiative qui vise à connecter les jeunes entre eux, mais aussi les connecter aux décideurs. Aujourd'hui, ils sont connectés au chef de l'État en communion avec son discours,
qu'ils ont suivi et qu'ils ont décortiqué sur tous les plans. Et c'est ce qui est très satisfaisant parce que tous les domaines qui ont été adressés par le chef de l'État dans son discours ont concerné un groupe ou un autre ici rassemblé, qu'il s'agisse de la lutte contre le COVID-19, où beaucoup de volontaires jeunes se sont mobilisés pour sensibiliser ou alors fabriquer les matériels de protection, que ce soit dans le domaine de paix et sécurité, où les jeunes sont à la fois acteurs et victimes. Et à ce niveau, je pense que son appel en direction des jeunes enrôlés dans les bases armées pour qu'ils déposent les armes, interpellent également les autres, allez les sensibiliser. Vous avez suivi ces derniers temps, j'ai fait une tournée dans les 10 régions et les régions où il y a les centres DDR, je les ai visitées et ces jeunes qui ont reçu des appuis du plan triennal spécial jeunes ont été très enthousiastes et vont être installés et vont servir de modèle pour attirer les autres jeunes qui sont en brousse pour qu'ils déposent les armes, qu'ils rentrent dans les centres DDR. Donc, le domaine de la démocratie également, là, c'est un chantier où beaucoup de jeunes, dans leurs associations, se déploient aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont dans les différentes structures, n'est-ce pas, électives, ou notamment au niveau local. Avec la décentralisation aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place d'autres outils comme les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes, pour pouvoir encourager la participation des jeunes à la prise de décisions locales. Et là également, les jeunes qui sont sur ces chantiers ont eu l'occasion de s'exprimer. Et enfin, je pense que le vrai problème des jeunes, qui est l'auto-emploi des jeunes, qui est l'emploi des jeunes, a été adressé par le chef de l'État en disant « la croissance est en train de repartir ». Il la projette jusqu'à 8% et c'est ce qui est rassurant. Donc ça va résoudre tous les problèmes des jeunes en matière d'emploi, d'éducation, de santé. Et les jeunes eux-mêmes doivent porter ce chantier-là parce qu'il n'y a pas meilleur que les jeunes pour être des créateurs de richesses. Et la croissance, c'est l'entrepreneuriat jeunesse. Donc je crois qu'il y a des programmes qui sont mis en place à ce niveau. Donc une fois de plus, ils interpellent les jeunes. Et ce qui est bien, c'est qu'il termine par ce qu'au ministère de la Jeunesse, nous appelons le réarmement moral de cette jeunesse, en disant qu'il faut que les jeunes soient fiers de ce qu'ils font, ce que leur pays fait, comment le pays adresse les problèmes qui, parfois, c'est-à-dire, adressent les problèmes de la manière la plus résiliente. Et ils doivent être fiers de ce pays-là, et porter, n'est-ce pas, ces chantiers pour que l'émergence de notre pays soit le fruit de leurs efforts. Donc merci, je crois que les jeunes ont été boostés par ce discours. Merci, Monsieur le Ministre. C'est donc ce soir, Vincent de Paul et Drusilla, ce soir, c'est donc la jeunesse qui construit avec le président de la République un Cameroun fort, un Cameroun uni, un Cameroun résilient à l'aube d'une nouvelle année après un 2020 qui aura été plein de challenges et de difficultés pour la plupart des jeunes Camerounais. Yves? Yes, Gladys Labuda, we listened to the head of state's address to the nation. A lot of plans ahead of 2021 for the Ministry of Youth Affairs and Civic Education with Youth Connect and several other government-backed projects. And you saw the head of state made mention of the National Development Strategy, which the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, of course, is going to consider and see what will be carved out from that National Development Strategy for the youth. Youth that have been encouraged to leave the bushes, of course, and embrace normal life through the Disarmament and Demobilization Committee, of course. That will be it from here at the Ministry, at the courtyard of the Ministry of the National Youth Affairs and Civic Education. Thank you very much. Over to you in the studio. Merci Yves Fomousso, merci à Gladys Lebouda. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs et auditeurs l'événement qui nous rassemble ici ce soir. C'est le message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fin d'année 2020 et du nouvel an 2021. Voici les temps forts du discours prononcé ce soir par le président de la République. C'est une synthèse que nous propose Séverin Aléga-Mbélé.
La prise de parole du président de la République ce 31 décembre 2020 est portée vers les préoccupations du moment, à l'exemple de la maladie à coronavirus. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auquel de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Est-il nécessaire de rappeler que l'actuelle pandémie n'est pas la première et que l'histoire nous a appris que des épidémies ont anéanti des populations entières? Le président de la République exhorte les Camerounais à observer davantage les mesures barrières, le virus étant toujours en circulation. C'est un problème de sécurité. La sécurité des personnes et des biens, un autre sujet évoqué en référence à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et Boko Haram dans l'extrême nord. La vigilance et l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité ont fait diminuer sensiblement les actes de ces criminels. La situation est différente dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, où des groupes armés entretiennent un climat de terreur et d'insécurité. C'est ainsi que, périodiquement, ils attaquent des communautés isolées et également des établissements d'enseignement pour dissuader les parents d'y envoyer leurs enfants. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de 7 écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Le processus de démocratisation occupe également une place importante dans le message de fin d'année du président de la République. Il salue au passage la maturité du peuple camerounais qui a toujours su tourner le dos aux appels irresponsables. Est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assuré par la voie des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux? C'est précisément le cas au Cameroun où le processus démocratique se déroule selon les dispositions de notre Constitution et selon les règles fixées par nos lois. La période récente en a donné un bon exemple. En mars 2018, le mandat des sénateurs est renouvelé. En octobre 2018, le chef de l'État est élu avec une très large majorité. En février 2020, des élections législatives ont lieu, assurant au gouvernement une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À la même date, les élections municipales mettent fin au système des délégués du gouvernement dans les grandes villes, désormais géré par des maires élus. En décembre 2020, les élections régionales viennent de compléter les dispositions prévues dans le processus de décentralisation. Malgré le contexte du Covid-19, au plan économique, le Cameroun, affirme le chef de l'État, continue sa mue. La stratégie nationale de développement est désormais lancée. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées
et fixer de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Un message bilan sur l'état de la nation, un message tourné vers les projections utiles. It has thus been written in the sands of time. The head of state, as tradition warrants this evening, has spoken to the people of Cameroon, making a balance sheet of 2020 and pinpointing areas of continuous progress in 2021, resolutely working for a rebound in the economy, continuing in the battle against COVID-19 and insecurity in the two English-speaking regions, among others. It has been an absolute pleasure, ladies and gentlemen, being with you and bringing you this event in all its shades and ramifications, as understood by Cameroonians from east to west, north to south. We say a hearty thank you for having been with us on all our platforms on the CRTV. A hearty thank you to all the reporters in our two sites and their special guests, all our regional correspondents and our guests in the studio. We sincerely wish you all a prosperous new year, hoping all your wishes and hopes be fulfilled this coming 2021. Vincent de Paul Atangana, good evening. Happy New Year. Where do we continue from here? Bonsoir Drusilla et Happy New Year, bonne année. C'est ici qu'on va donc mettre un terme à cette retransmission spéciale, tranche d'antenne consacrée à la diffusion du message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fin d'année 2020 et du nouvel an 2021. Un rendez-vous important à donner à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est le traitement de cette importante actualité qui va donc se poursuivre dans nos journaux et magazines d'actualité. Merci en particulier à toutes les équipes rédactionnelles techniques et les technico-artistiques qui nous ont donc entourés dans le cadre de cette retransmission. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que nous étions bel et bien en direct du centre de production de la CRTV en Baladeux. Eh bien, bonne année, meilleurs voeux à tous d'ici là. Et pour répondre à votre question, je donne rendez-vous à chacun sur le lieu qu'il a choisi pour célébrer, pour passer cette Saint-Sylvestre. Merci, bonsoir. Good evening.